Franck Camas et son équipe Groupama Team France ont choisi la Marine nationale pour les accompagner dans leur préparation technique et sportive. D'août à décembre 2016, Groupama Team France s'est donc entraîné dans la rade de Brest. La raison pour laquelle on est venu ici, c'était pour retrouver notamment un plan d'eau très protégé avec un état de mer très très plat. La rade de Brest, c'est 4 fois à peu près la taille du plan d'eau de la Coupe de l'América. Donc c'était quand même assez voisin dans les conditions et c'était ce qu'il nous fallait pour s'entraîner sur nos bateaux. Catamaran ultra performant et haute technicité nécessite une formation d'ingénieur afin de préparer au mieux ce bateau volant. Déjà volé au-dessus de l'eau, les élèves de l'école navale, grâce à leur enseignement scientifique et maritime, ont pu échanger et partager dans divers domaines d'expertise. Les élèves de l'école navale, c'est des ingénieurs qui ont un métier rattaché à la mer, donc nous c'est exactement la même chose, il faut être ingénieur pour être sur le bateau ou pour préparer ce genre de bateau finalement dans l'esprit et dans les compétences. Je pense qu'on a une approche et une culture très 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 proche. C'est sûr que nos bateaux sont différents, mais l'état d'esprit reste le même. Skipper et marin se retrouvent autour des mêmes valeurs. Goût de l'effort, combativité et esprit d'équipage. L'école navale et l'ensemble des marins suivront les prochaines étapes de la Coupe de l'América et ne manqueront pas d'encourager Groupama Team France.